traversé la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sauvage. Porte de ciel allait parfaitement bien pour votre arrivée. L'Empire était calme, nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, nous en est-il? Aucune importance. Sauvengard est au bout du chemin. C'est impossible. C'est impossible. Hey, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Chaudre, Mara, Tibet, Kinaret, Akatosh, Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, Général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmor sont avec lui. Satanuel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir de tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilote met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous, c'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom, un seul à la fois. L'Empire adore les satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine! Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, Général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les huit divins vous bénissent, car vous... Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aperio.
Pouvez-vous en dire autant ? Chien d'impériaux ! Justice ! Mort au sombrage ! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant le Nordique en haillon. Ça recommence. Vous avez entendu ? J'ai dit, au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, hein. Restez près du mur. Seul à en être sorti. C'était vraiment un dragon. Un héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose pour ces brûles. Vous feriez mieux de vous équiper. De mettre cette armure. Faites aussi quelques moulinets avec cette épée. Ne restons pas là. Cette chose est encore là.
par ici. Essayez d'ouvrir. N'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on quitte Elgen et vite. Ces impériaux y gardent les potions. Nous allons là. Respecte ça. Hey. Vous l'avez cherché. Une vieille réserve. Allez voir si vous trouvez des potions. Ça pourrait nous servir. C'est bon, c'est fait. Par ici. La salle de torture. Par le Dieu, j'aimerais que... Vous tombez à pic. Ces garçons semblent un peu contrariés par la façon dont je divertis leurs camarades. Vous savez pas ce qui se passe? Un dragon est en train d'attaquer Elgen. Allons, racontez pas n'importe quoi. Mais maintenant que j'y pense... C'est vrai que j'ai entendu des bruits. Par là-bas. Venez avec nous. Il faut sortir d'ici. Vous n'avez aucune autorité sur moi, mon garçon. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai dit que le fort était attaqué. Oubliez le vieil homme. Je vous accompagne. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Ne vous embêtez. On a perdu les clés il y a des siècles. Le pauvre bout. Rabraillez, Francis. Bien sûr, prenez tout ce que j'ai. Je vous en prie. Prenez ce que vous pouvez et allons-y. Il n'y a pas d'issue par ici, vous savez. Allez, où est la sortie? Ces impériaux y gardent des potions. Nous allons en avoir besoin. Mais son bras! Si vous voulez mourir. Là! Thank you.
Voyons où cela mène. En arrière. Nous avons de la chance que ça ne nous soit pas tombé dessus. Nous devrions continuer. Je suis sûr que les autres vont pas nous dessus. Je crois qu'il est parti pour de bon. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide.